on est arrivé. Je vais prendre la voiture. Ah, Caro, en plus, t'es un Corse. On aurait tué le Corse. Bon, on vient d'arriver et on vient de commencer la vidéo alors que ça fait 3 heures que j'ai cru que je fasse la vidéo. Donc là, on va au parking 6 de Equitalion parce que j'ai même pas dit qu'on allait à Equitalion. Le principal. On va à Equitalion et on vient d'Aix-en-Provence donc ça nous a mis 3 heures à venir. On s'est levé à 5h. On s'est levé à 5h et on fait le spectacle du soir donc on va rester jusqu'à très très tard. Et voilà. Évidemment, le matin, on fait du repérage, mais là, je vous montre que quelques images de choses que j'ai trouvées un petit peu rigolotes. Dont ce petit camion qui fait très rêver. Et ce foin qui cuit. Mais très très vite, on va retrouver une de mes super copines avec qui j'ai fait mon master de droit, qui, elle, participait au concours, cette classe. Donc, je vous laisse regarder un petit peu le parcours qui est trop chou avec son pouce. Oh, bichon. Tellement comme un pouce. Oh la vache. Allez, allez, allez. Encore mieux que celui d'avant. On fait plus ça hein, quand on passe à cheval. Putain, t'as vu, elle en veut. Hein. Une. Alors, débrief de fin de course, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Trop facile? Oh non, pas si facile que ça. Trop simple. Bon, bah ok, bah trop facile. Bon, tellement facile que madame est classée deuxième. S'il vous plaît. T'as l'habitude à remiser prix, hein. Mais ça et les vidéos qu'il fait sur Insta. Bon, on a bien fêté ça avec une gaufre et on est reparti dans les boutiques. Cette fois-ci, on a acheté. On a passé aussi pas mal de temps au niveau des transports et des vents. Ici là c'est les vents Bookman parce que j'aimerais beaucoup en acheter un dans les quelques semaines, mois qui arrivent. Ça faciliterait vachement les concours. Mais ce qui m'a vraiment le plus interloqué dans ce salon, c'est ces fers en plastique. Je connaissais un peu mais pas trop. Ça a un vraiment très très bon amorti et je me dis que bah pourquoi pas essayer un jour avec Idou. Ça coûte rien, ça fait plusieurs ferrures, enfin top, top, top. Mais je vous rassure, je suis quand même passée à la caisse, hein. Donc c'est longe là, enfin, c'est un enraînement, c'est minéraux, là il mange, mais en fait il a pas aimé. Mais regardez-moi ce Nicole, regardez-moi ce Nicole cravé, dis-moi, il est magnifique. Et là, c'est parti pour le show, le CSI 5 étoiles. Où il n'y a eu que des stars, c'était trop trop cool, du show, des bars, une chute, enfin bref, c'était un concours de dingue, je pris mon pied à regarder ces stars et ces chevaux, c'est vraiment magnifique, regardez-moi comme ça mon bien. C'est Julien et Paillard qui s'imposent avec Dubaï du Cèdre.
Puis, place à la deuxième partie de la soirée, c'était un spectacle, thème ibérique, espagnol. On n'était pas ultra motivés au début parce que t'es crevé, on s'était levé à 5h du mat le matin. Mais on a bien fait de rester, c'était mais incroyable, magnifique. La vraie danse, c'était vraiment une autre relation avec le cheval. On a adoré, franchement, génial. D'abord boutique, repérage, concours, boutique, sandwich raclette, sandwich raclette, ça c'était la base, bonbons, et ensuite CSI 5 étoiles en 160, et un superbe spectacle équestre, c'était magnifique, c'était vraiment génial, ciao, on va se coucher avec son présent.